Yo tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo FIFA 20 saison en ligne. Voilà, première journée de division 5, c'est parti. Après la victoire hier avec l'Olympique de Marseille, 4 buts à 2 face au LOSC, donc Lille. Voilà, une victoire qui m'a permis donc de remporter le titre de division 6. Et maintenant, on va attaquer la division 5 toujours avec l'OM pour un troisième match. Alors, en temps normal, les années précédentes, voilà, à cette époque-là de l'année, en octobre, donc normalement je suis déjà en division 2, division 1, voilà. Mais bon, avant je jouais, je sais pas combien de matchs par jour, enfin voilà, les FIFA avant je les séchais pendant une journée, enfin voilà. Je finissais l'année avec je sais plus combien de matchs, presque 3000 matchs à la fin de l'année. Voilà, et depuis l'année dernière que je fais donc ce système de un match par jour, déjà je rage moins, déjà, même si je rage encore quelques fois beaucoup, mais voilà, ça me permet un peu d'être moins énervé, et puis voilà, après c'est pour moi, et puis ça me permet de mieux me concentrer aussi sur le match du jour, donc voilà, en faisant cette technique. Donc voilà, au moins ça me permet d'avancer tout doucement, mais sûrement, voilà. Voilà, parce que je suis quand même à 17 victoires contre 4 défaites seulement. Donc c'est bien, hein, 17 victoires sur 17, 8, 9, 10, 11 sur 22 matchs, donc c'est nickel. Donc voilà, c'est super. Sur 22 matchs, 17 victoires, c'est une bonne moyenne. Donc dans 3 jours, c'est la coupe. Donc comme à chaque fois, je vous le dis, il n'y aura pas de match de journée, de saison, donc pendant le week-end de coupe. Je ne ferai qu'une vidéo si j'arrive en finale de la compétition, comme la dernière fois. Par contre, ce week-end, je risque pas trop de jouer parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je vais essayer, je vais vraiment essayer. Enfin bref, c'est pas le débat. Aujourd'hui, c'est la première journée de Division 5, donc avec l'Olympique de Marseille, encore une fois, pour un troisième match. Et en cas de défaite, on attaque donc un troisième club anglais qui est donc Chelsea. Allez, troisième match, troisième maillot, qui est très beau, hein. J'adore ce maillot noir, il est franchement super beau. Et c'est parti. Donc évidemment, hein, plus on va monter haut en division, plus les adversaires vont commencer à être plus compliqués, c'est logique. Donc sinon dans les news, je vais sans doute refaire quelques vidéos Apex, vidéo COP aussi normalement. Voilà, après faut le temps de publier. Le problème c'est qu'il faut que je fasse au moins des vidéos de, allez, maximum une demi-heure, que ça se publie assez rapidement. Déjà rien qu'une vidéo là de match normal aujourd'hui, ça met environ 4 heures à y publier sur YouTube. Depuis un PlayStation, donc avant je faisais des lives, donc ça publiait directement, mais vu que mon réseau merde un peu, bah, cette année je vais faire que de cette façon, donc faire le match et y publier sur YouTube après. C'est parti pour cette première journée de Division 5, et rien de tel que de commencer contre un club anglais, le Newcastle. Allez, Sanson. Allez, Germain, pour Tourvin qui n'a pas pu emmener son ballon. Saint-Maximin, ancien niçois. Et la première accélération, attention, et c'est repris par Amavi qui peut relancer Dimitri Payet. Allez, Payet, première accélération pour l'ancien de West Ham, Benedetto. Ah, j'ai pas réussi à crocheter comme je le voulais. Ils ont du mal, hein, les défenseurs, à suivre. Là encore une fois, je suis pris de vitesse. Allez, c'est pour toi, Camara. À ma vie, Lopez. Allez, Benedetto. Ah, j'ai voulu la donner à Germain, mais j'ai complètement raté. Bon, attention, attention. Le pressing. Allez, Sanson qui récupère. À ma vie. Derrière pour Camara. Alvaro, Camara, j'ai inversé. Lopez.
Sanson, aïe, qui a voulu donner à Benedetto, monsieur but par match, auteur hier d'un doublé encore. D'un triplé, je crois même, je sais plus. Bon, c'est arrêté. Ouh là là, attention, là, faut que je me concentre. Non, on a doublé, ouais, avec Tourin. Allez, Payet. Ah, j'ai pas pu la remettre, car le défenseur a bien suivi le coup. Allez, à ma vie, faut revenir là-bas. Ah mais rien, ils sont pris de vitesse tout le temps. Ils sont toujours pris de vitesse, c'est incroyable ça, qu'ils sont pris de vitesse comme ça les joueurs. La frappe, c'est sans problème. Pour Steve Mandanda qui tout de suite, oh là, ballon perdu, attention. Bien joué le petit Camara. Allez, Payet, Sanson. Germain. Sous le côté pour Payet. Ah, il a bien senti le coup encore une fois. Et ça sera une touche pour les Phocéens. Allez, Sanson. Et déviation pour le petit Lopez. Oh là, qui a voulu frapper. Mais c'est contré. Allez, c'est pour toi, Alvaro. Bien joué. Ça caille, Sanson, Germain, Lopez, Benedetto, Benedetto, ah, qui a pas pu emmener son ballon encore, il a bien été suivi. Ah, bien joué ça de la part du petit Camara. Allez, ah, le petit Lopez. Germain, ouais, le compte favorable. Wow, c'est pour Benedetto. Oh là là, monsieur, mais c'est pas l'air deux fois. Oh là, c'est récupéré encore une fois. Aïe, 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 aïe. Oh là là, quelle occasion. Et la première grosse occasion, elle est pour l'Olympique de Marseille. Allez, encore une fois, Alvaro qui s'impose. Allez, Benedetto. La frappe de l'Argentin contrée. Oh, il a le compte favorable deux fois, trois fois, non. Bien fait de la part de Payet qui récupère. Lopez. Bien fait de la part de Tourin. Ah là, dommage. Dommage, dommage. C'était astucieux. Attention, oh, attention, attention. Allez, c'est pour toi. Voilà, loin devant Mandanda. Faut vraiment être vigilant défensivement parce que ah, les défenseurs ils ont du mal à bouger quand même. C'est dommage qu'il n'y ait plus le système comme avant où on pouvait dire à un autre défenseur de venir défendre. Oh là là là. Parce qu'avant on appuyait sur R1 et donc il y avait un autre défenseur qui venait faire le pressing. Alors est-ce que c'est un autre bouton? Faudrait que je regarde. Parce que c'était quand même vachement utile quand même pour défendre. Ouf, ouais, j'ai eu chaud là. Heureusement que j'ai appuyé pour que Mandanda fasse un plongeon. C'est franchement difficile de défendre des fois. Allez, bien joué Mandanda encore une fois. Eh oui. Ah, je suis très passif hein, défensivement. Ça c'est... C'est ça depuis le début de saison. Hein. C'est franchement difficile de défendre hein, sans faire de faute. Voilà, c'est surtout difficile de suivre le joueur qui a le ballon.
Allez, mi-temps 0-0 entre l'OM et Newcastle pour cette première journée. Match plutôt équilibré. 4 tirs de chaque côté. On va voir comment va se découpiller cette seconde mi-temps. Il y a de la place, hein. Il y a franchement de la place pour marquer. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la faille, la petite dernière passe, et surtout le dernier geste. Oh putain, il fait chier. Le dernier geste efficace. J'ai réinstallé Star Wars Battlefront, le premier. Donc je vais sans doute faire quelques petites vidéos dessus. Vidéo redécouverte. Parce que évidemment, Star Wars Battlefront 2 qui est là depuis 2 ans maintenant. Donc du coup, Battlefront 1, ben, on l'a un peu oublié, hein, évidemment. Mais il y avait des modes franchement géniaux dans ce premier Battlefront. Et ça me manque un peu, j'en parlais hier avec un pote. Et je me suis dit, tiens, je vais le réinstaller et me taper quelques kiffs. Voilà, bien joué de ça de la part de Sanson, j'ai fait un beau pressing. Allez, vas-y Germain. Pour Thauvin, la frappe de Thauvin, ouais, elle était belle. Elle était belle cette frappe de Thauvin. Ouais, très belle map. Hein. Très belle map. Très belle frappe. Allez, c'est bien tiré au premier poteau. Oh, la tête coupée peut-être. Allez, Camara. Allez, pour le petit Lopez. Oh, c'est dommage. C'est dommage que je suis pas passé. Oh, je perds le ballon sur ça quand. Attention, attention. Ouais, Saint-Maximin qui était à deux doigts de tromper Steve Mandanda. On sent que la moindre erreur de part et d'autre, ça peut faire mouche. Ah, encore un ballon perdu bêtement, attention. Allez. Allez, Sanson. Allez, part au vin là, il part pas. Putain. Ah, il y avait peut-être une obstruction là. Ah, ça, les fautes de merde, il les siffle. Mais les obstructions, alors là, on peut crever. Ah, attention, Saint-Maximin. Oui, attention, c'est téléphoné. Bah, il court plus vite, Saint-Maximin. Il court très vite. Allez, Sanson. Allez, Benedetto, qu'on n'a pas encore trop vu, hein, mine de rien. Mais bon, il en faut pas beaucoup, hein, l'Argentin. La dernière fois j'avais dit ça et il avait inscrit un doublé juste derrière. Ah, et but, et oui voilà. Ah, ça allait bien finir par rentrer, hein. Allez. Ça allait bien finir par rentrer, hein. Il faisait tourner le ballon depuis tout à l'heure. Aïe 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 aïe. Allez, c'est pas grave.
Allez. Ah, puis évidemment, il n'y a personne là. Oh non! Oh là là, ça y est, ça va recommencer là, ces poteaux. Oh putain! Ah, puis ça me ferait chier de perdre le premier match là, de la première journée là. Allez. Allez, va Germain. Non mais tout seul, il est tout seul, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, ah putain. Allez, Benedetto, allez. Oh putain, puis il reste peu de temps là. Mais prends là, Samson là. Putain, mais toujours un connard pour la reprendre. Allez les gars là, mais y en a pas un qui bouge. Ah oh, allez, c'est bien. Putain, mais y a pas un joueur qui va dessus quoi. T'as pas un connard qui va dessus en défense quoi, c'est incroyable quoi. Putain, ils sont statiques quoi. Ils bougent pas, gars, de Samson là, il est là, il court tranquillement. Ah, ça m'énerve. Putain, c'est pas vrai ça. Puis là, y a pas faute là. Ah, allez, c'est bien, de toute façon, ça sert à rien. Putain, je te jure, ça m'énerve des matchs comme ça, quoi, mais... Allez, puis lui, il se fait rattraper, ça, par contre, à ça. Allez, y'a faute, là! Putain de merde! Allez, y'a pas faute, quoi! Oh non, mais... Allez, mais va dessus, Samson! Oh là là! Allez! Allez, prends-la cette balle! Allez, un but pour Benedetto encore. Ah, puis il va bien faire tourner le ballon, juste pour me faire rager. Allez. Hey. Merde! Putain! Ah, ça m'énerve ces défaites là, putain, mais je te jure. T'as des putains de défenseurs statiques là qui bougent pas leur cul. Ah, mais ça m'énerve quoi. Putain, mais c'est dingue, ils sont trois autour du ballon, ils regardent le joueur qui a le ballon quoi, ils vont pas dessus quoi, ils font rien. T'as beau appuyer sur n'importe quel bouton, ils sont statiques quoi. T'as qu'un joueur qui va sous le ballon quoi. Au lieu de faire un pressing quoi, putain, mais c'est dingue quoi. Putain, mais pourquoi ils ont enlevé ce système de l'autre FIFA là, où tu pouvais presser avec deux joueurs quoi. Ah, un dieu. Ah, c'est des défaites qui m'énervent ça. De toute façon, en même temps, toutes les défaites m'énervent. Mais là, ça m'énerve parce que là, ils bougent pas leur cul, là. Ils sont statiques en défense, mais c'est incroyable, quoi. Incroyable. Pff, putain. Ah, ça m'énerve, quoi. En plus, c'est la première journée, quoi. C'est les matchs les plus importants. Les premières journées, là, il faut pas les perdre. Voilà, ça y est. Là, genre, la pression jusqu'à la fin, là. Pff, putain.
Allez, ciao à demain.